مستعدين؟ Vous êtes prêt à faire ce test? Alors c'est ça. De rentrer dire à ton épouse. Mais on parle aux gens de musulmans qui craignent Allah. Mais si tu rentres au talaq ndou maou dabs. C'est rare. Il a rad dabs et tfarqou, va pas tchi dirou had tzriba. Khliou haydak. Tayi. يجيب الله شيء هذا عيب وديك العيب يكون مطابق للكتاب والسنه ماشي قيوعي وديك العيب سو دي فوا دو كورسبوند الكتاب والسنه با كوم سا باسكو مو جو فوا لي موفي نو موفي كتاب السنه لا بروف لارغمون دو كتاب والسنه alors quand tu fais ça avec ton épouse la condition ce n'est pas un test que vous devrez faire qui vous amène à divorce et la dispute alors ton épouse inscris tout ce qui est comme défaut en toi, qui est mauvais, sans rien cacher, sans avoir peur de l'inscrire, et toi qui inscris ces défauts. Et te dis, voilà tes défauts, et elle te dit, voilà tes défauts. Tu prends ta feuille et tu regardes tes défauts. Sans dire à ton épouse, non, c'est pas normal, toi tu es en train d'inventer des choses, tu connais rien, tu es une femme qui est folle, etc. Non. Tu prends ces défauts-là. Et regarde ce que tu peux éliminer et ce que tu ne peux pas éliminer. Mais tu promets que tu vas faire un effort pour les enlever. Alors, si vous faites ce test-là, il a des doigts, vous allez dire, voilà, je suis à Saïba. Mais avant que vous ou il a des doigts, Sadiq, il y a un cas où vous êtes chez Sadiq Katashro, un copain, un ami qui te fréquente tout le temps, tu lui dis, inscris-toi, mais du fond, qui te connaît sur moi. Sans avoir peur, sans cacher quoi que ce soit. Et toi, la même chose. Alors, quand tu es dans la feuille, essaye d'éliminer ce qui est là. Parce qu'avec ça, correspond au hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, al-mu'minu mir'at akhi. Le prophète nous dit, le croyant est le miroir de l'autre frère. Moi, je ne peux pas voir mes défauts. Je les connais parfois, je leur trouve des excuses, je dis non, etc. Mais le seul qui va te donner les défauts exacts, c'est ton frère, un autre personne. Le prophète, quand il dit dans ce hadith que le musulman, l'autre, il est le miroir de l'autre musulman. Tu vois la femme quand il se fait le hijab, etc. Est-ce qu'il voit un petit cheveu qui dépasse ou quoi? Non. Il se met devant le miroir. Et le miroir, il lui répond, cheveux ici. Le maquillage, là, n'est pas bien. Le foulard n'est pas bien. Qui a donné cette image? C'est le miroir. Et la même chose, l'exemple qui donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ton frère musulman que tu dis, ça c'est mauvais, ça c'est un défaut, c'est pas bien dans la prière, c'est pas bien quand tu parles comme ça, c'est pas... C'est lui qui m'envoie mon reflet, c'est lui qui me donne mon image, et moi je dois me corriger. Malheureusement, nous autres on ne fait pas. Nous autres, quand quelqu'un nous fait une remarque, ou il nous dit que c'est pas bien comme ça, automatiquement, qu'est-ce que... Toi aussi. C'est pas maintenant. Je vais donner simplement quelques exemples. Donc cela que le Coran les a éduqués. Que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a éduqués. Pensons à la qissa de Khamsa, une femme qui s'appelle Khamsa. Al-Khamsa, ils disent dans l'histoire, « Wa yaqissa de Khamsa, tilka al-sha'ira allati mata akhuha fil jahiliya, fa dhallat sanawat tabki alayhi wa turidu bi-sha'riha. » Hadi al-Khamsa, matkhuha. Cette femme, avant l'islam, il était dans l'ignorance, le jahiliya. Son frère, il est mort. Elle est restée des années, il pleure sur son frère. Et elle faisait des poèmes. Il était vraiment fort dans les poèmes. Quelqu'un de chien. M'ni matkhouha, kat sini. Ben Aisha, kat koul al-khamsa, kat m'ni kat kat khlali, kat kafroa, kat... Aisha, radiallahu, dit quand al-khamsa, de temps en temps, quand il venait chez moi, il parlait de son frère, il fait des poèmes sur son frère. Son frère, il est mort dans le Jahiliya. Elle, elle était dans le Jahiliya. Il pleurait sur son frère pendant des années. Qu'est-ce qu'elle a fait à Sini? Je fais comme Ram al-Nirat Islam, ou tout l'islam, ou ta'af Allah Azza wa Jal, ou ta'af al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. ذهب أبناؤها الأربعة إلى الجهاد فانتظرت الخبر فإذا بالخبر يأتيها قيل لها أن أبناءك الأربعة كلهم قتلوا في سبيل الله كلهم قد استشهدوا في سبيل الله. Quand il est devenu musulman, il en avait quatre fils. Il les a envoyés à jihad. Et on lui a rapporté la nouvelle comme quoi tes quatre enfants sont morts dans le combat.
Alors imaginez cette femme qui a pleuré pour son frère pour des années. Il va faire quoi pour ses quatre enfants? فكرتم هذه المرأة اللي بكات على أخوها سنين حزن شنو غدير على أربعة الأولاد ديالها؟ أكثر من أخوها. لكن الإسلام رباه. ما الإسلام لو دوني ليديوكاسيون؟ الإسلام اللي يوفي له التصفية للتربية، كيسكي البديع في الإسلام لا. الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو من الله أن يجمعني وإياهم في مستقر رحمته. ما بكت ما دمعت، كتقول الحمد لله الذي شرفني باستشهادي وأرجو الله عز وجل أن ألقاهم في يوم القيامة برحمته. تربية Il a pleuré pour son frère pendant des années. Quatre fils, ils meurent et il dit « Je remercie Allah Azza wa Jal qui m'a donné quatre martyrs. » Pas une larme. L'éducation. Comment cette femme a été changée par la parole de Allah? Comment cette femme a été changée? Carrément changée. Comment le prophète a changé cette personne? Une femme qui a pleuré pendant 10 années pour son frère, normalement, il va devenir folle pour ses 400 enfants. Mais quand on lui a dit que deux enfants sont morts, il dit, je remercie Allah Azza wa Jal qu'il m'a donné quatre martyrs. Et je demande à Allah Azza wa Jal que je sois avec eux au paradis. Tarbiya wa tasfiya. Une autre histoire. Ummu Haram. Ummu Haram. جاءت تستقبل الناس فلما استقبلت الناس قيل لها إن أخاك قد قتل وإن أباك قد قتل وإن زوجك قد قتل وإن ابنك قد قتل كلهم قتلوا في غزوة أحد. أم حرام encore une femme. On vient lui dire que ton père est mort dans la bataille de Uhud. Dans la bataille de Uhud. Ton père est mort. Ton frère est mort. Ton mari est mort, ton fils est mort. Quatre personnes les plus chères au monde que là. Arba drjal li عندها غالي في الحياه. الزوج, الاب, والاخ, والابن. ماتوا بربعه في غزوه احد. راه مني جات مني رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من الاحد. عرفتي في غزوه احد. مني رجعوا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ضربوه وتجرح وصل الخبر بين الرسول مات. كان البروفيت صلى الله عليه وسلم اللي تبليسي دون سات باتاي دو احود اي اون بروباجي كو البروفيت اللي مور اي ام حرام il vient quand il entend que les musulmans sont revenus de la bataille il va entendre qu'est-ce qui s'est passé et dans la rue il regarde il cherche et les gens le disent ام حرام ton mari est mort ton père est mort Ton frère est mort, ton fils est mort. Et elle, qu'est-ce qu'elle répond? Écoutez, qu'est-ce qu'elle répond cette femme-là? فَلَمْ تَرُدْ عَلَيْهِمْ وَقَالَتْ وَمَاذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. تربية, éducation. On lui dit que les quatre, les chers, ils sont morts. Elle, elle leur dit, oui. Et le prophète, il est comment? Allah. Imaginez cette éducation de Coran. Une femme. Une femme maintenant actuellement, si son fils il est blessé, il tire ses cheveux, il s'arrache les cheveux, il se tape. Le moral elle, il a quoi dire, ben t'es quoi, t'es comment, t'es je veux te charger, t'as dit là, t'as ton fuck. Le moral qui a quoi le haouk mat, le zouj mat, le wulb mat, le wulb mat. Où y a quatre colons pour le rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il y a? أربعة من أقرب الأقربين قد قتلوا وهي تقول ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فدلت عليه فأخذت بناحية ثوبه من نجمرك كقول لها بأنه هذا ماتك تقول ماذا فعل رسول الله أقول ليش أنه وقع الرسول صلى الله عليه وسلم نسات باها ونسات أخوها والزوج ولدها معلقة برسول الله بالرحمة اللي خرجها من الظلمات إلى النور صفاها من الجاهلية ثم غرز فيها تربية الإيمان. Il a oublié, on lui dit que quatre personnes ils sont morts et elle dit le prophète. Après on lui a dit le prophète il est bien, viens.
quand il a vu le prophète, il a pris un bout de son tissu. Mais le réel, le Rasoul, ça a son chabra de Mithaoudi. Mraa waqfa ma'a Rasoul Chabra Mithiyak, ou عندها 4 de الناس اللي ماتوا. شنو كتقول هاد المرأة دي؟ فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. لا أبالي إذا سلمت من العطب. لا أبالي إذا سلمت من العطب. تربية فين احنا بها التربية؟ Imagine toi que t'as les 4 personnes les plus chères au monde, ils sont morts le même jour. Le père, le mari, le frère et le fils. Elle dit, qu'est-ce qu'elle a fait le prophète? Quand on lui a montré le prophète, il l'a pris par un bout de tissu. Il dit, ah, Rasulallah, tout le reste, c'est pas grave. Demande-moi que toi, t'es ici et sauf. Tout le reste, mort, le père, le frère, le fils, mort, c'est pas grave. Demande-moi que toi, qui nous as sorti de ténèbres à la lumière, t'es ici et sauf. L'éducation, le temps. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais j'arrête ici pour vous donner peut-être si vous avez quelques questions, Inch'Allah. N'actafi bihadi al-qadr, Inch'Allah. Subhanak Allahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum.